Depuis quand tu cognes? Depuis quand tu fermes la porte à clé le matin? Depuis que je peux faire la grasse matinée sans qu'on ne me prenne la tête. Ah bon? Écoute, si tu es venu me faire chier, tu peux déjà partir. Papa, s'il te plaît, aide-moi. Je n'ai plus de quoi manger. Ah, Samo, c'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Ah, je ne suis plus chez vous. Sortez de ma vie. Lâchez-moi. Bande de sorciers. Je ne vais nulle part avec toi. Qui te parle de t'amener quelque part? Je suis juste venu voir mon enfant, c'est tout. Quel enfant? Excuse-moi chérie, mais je dois te dire ce que je pense. C'est vrai que je ne sais pas dans quelles conditions a eu lieu ce mariage, mais il est clair que votre fille n'est pas heureuse et elle est trop jeune pour ce mariage. C'est mon plat que tu cuisines? Je suis une femme de parole. C'est quoi ces documents? Rien. J'ai récupéré ça chez un ami. Fais vite. Je meurs de faim. Ce sera bientôt prêt. Pendant ce temps, tu prends une douche. À vos ordres. Millions.
Oui, chérie, j'arrive. Pas qu'elle reste ici pour longtemps. Comment ça? Son mari veut qu'elle rentre pour mieux s'occuper d'elle. S'il a accepté qu'elle vienne, c'est juste par respect pour la famille. Et je veux faire comment, Jenny? Je mets l'enfant dehors. Si elle est ici, c'est parce qu'elle a confiance en moi. Tu ne la mets pas dehors. Tu la convaincs juste de rentrer. C'est pour son bien et le nôtre. La vie est vraiment dure pour moi et je n'ai pas d'argent. J'ai investi tout ce que j'avais dans une boutique et la commune m'a cassé. J'ai pu trouver un local, mais c'est plus cher. Je ne parvais même pas à avoir l'argent de taxi. Mais manger un repas par jour, je ne sais pas comment tu vas faire. Ça ne doit pas être facile. Je te comprends. Tu peux peut-être aller voir chez tes parents. Maman, je ne peux pas aller vivre avec mes parents. Ils n'ont qu'une seule envie, me livrer à ma mère. Et je ne peux pas vivre avec mon père et sa nouvelle femme. Je ne peux non plus vivre avec ma mère et son copain. J'ai tellement mal de les voir se déchirer en ce moment difficile de ma vie. Attention à ce que tu dis là. Ce sont tes parents. Tu ne dois pas les juger. Ils se sont séparés, mais ils ont au moins bénéficié de la générosité de ton mari. Ils auront quand même quelque chose pour te nourrir. Une fille ambitieuse et intelligente rêve de devenir une médecin, une femme de valeur. Mais seulement ses parents n'ont pas suffisamment les moyens pour lui offrir. Oui. Tu m'as appelé l'autre jour sans rien me dire. Oui. Mon téléphone a relancé le numéro. Ok. Tu es occupé? Non, mais je suis à 4 heures de route. J'espérais qu'on puisse se voir. Dommage. Mais je te fais signe dès que je suis de retour. Ok. Ça marche. Thank you.
je peux avoir la banane de 500. C'est 500 le tas. D'accord. Une minute s'il vous plaît, dépose la banane. C'est vous la fille de la dame qui vend souvent la banane? Je suis nouvelle ici, tata. D'accord, parce que j'achète souvent chez elle, mais ça fait des jours qu'elle n'est pas là. Sûrement une coïncidence. Ok. C'est votre fille? Oui, tata. Comment elle s'appelle? Leila. Elle est très jolie. Merci, okay. Tata. Gardez la monnaie. Merci, tata. Tiens. Enfin, je te retrouve. C'est pour ça que tu as quitté ta maison? Pour venir vendre des bananes dans la rue? Avant de te rencontrer, c'est ce que je faisais. Et je me plais dans cette activité. Écoute, ma chère, dans la vie, on évolue. On ne regrette pas. Malheureusement, avec toi, j'ai regretté de 10 années. 10 bonnes années. Tu sais quoi? Dans la vie, les choses n'ont de valeur que celles qu'on leur donne. Je t'ai offert une vie de rêve. Une vie dont rêvent des milliers de filles dans ce pays. Et qui sont même prêtes à tuer pour ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as craché dessus. Tu m'as traité de sorcier, d'assassin, de tous les maux. Tout dans la vie a un prix. Et certaines choses ont des prix particuliers. Je n'ai jamais voulu de ce mariage, tu le sais. J'en ai payé le prix par des événements malheureux vécus. Est-ce que tu peux me coller la paix et sortir de ma vie une fois pour toutes? Mais tes parents m'ont demandé ce qu'il fallait pour ça. Je leur ai donné. Ton accord avec mes parents n'engage que toi. Je ne suis pas une marchandise. Je viens de te dire que dans la vie, les choses n'ont de valeur que celles qu'on leur donne. Si tu te considères comme une marchandise, alors tu l'es. Mais si tu me considères comme une opportunité que tu dois saisir pour évoluer, je le suis. Je suis là pour toi. Tes parents ont su tirer leur épingle du jeu. Ils ont fait leur vie. À toi d'arranger la tienne. Dommage qu'il n'ait de fierté ni de valeur. Qu'est-ce que tu es naïve, ma chère? Ils ont ravalé leur fierté et leur valeur pour toi, pour ton bonheur. Et qu'est-ce que tu en as fait? Tu as craché dessus. Tu me déçois. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Sors de ma vie, sorcier, assassin. Écoute-moi bien. Si jouer à la malheureuse t'arrange, c'est ton problème. Mais laisse mon enfant en dehors de ça. Mon enfant n'est pas une crève la faim. En tout cas, je te jure que bientôt la récréation sera finie. Mmh.
Donc je souffre comme ça alors que maman Agathe a autant d'argent dans la maison. Fatiguée, j'ai besoin d'un bon repos. Qu'as-tu fait de tes affaires? Quelle affaire? Quand je t'ai rencontré, tu m'as dit que tu faisais des affaires, non? Ça n'a pas marché. J'ai voulu racheter le salon de ma fausse copine qui allait en Europe là. Mais je n'avais pas assez de cash. Tu te rappelles? Vaguement. Tu devrais. Tu as même refusé de m'aider. Les circonstances ne s'y prêtaient pas. Tu te rappelles au moins, non? Mais tu peux le faire maintenant. Je vais bien. Mais je n'ai pas assez de cash. Mais je peux te conseiller sur des placements. Quel que soit ce que tu as, on peut voir ce qu'on peut en faire. Je t'avais parlé du compte que je détiens avec mon ex-mari, non? Ah oui. Tu as accès à ce compte? Je vais dire toute seule. Je sais même pas comment ça fonctionne. Tu me sers à quoi? Écoute. Je ne veux pas me mixer dans les histoires d'argent de couple. Arrête. Si on regarde bien, j'ai plus fait pour qu'on ait cet argent. Je me suis investi bien plus que lui. Donc... Comme tu veux. Si c'est vrai ce que tu dis, tu devrais avoir accès. Je peux voir les documents? Compte joint. Normalement, tu dois avoir accès tout comme lui. On n'a jamais fait le retrait depuis l'ouverture de ce compte bancaire, à ce que je sache. Si tu en as besoin, on peut voir ce qu'on peut faire. Tu peux te faire établir une carte bancaire et faire des retraits tranquillement. Ah bon? Oui. Et tout ce que je peux faire pour toi. Je peux t'aider dans ce sens. Merci. Oui. Moi, je vais bien. Et toi? Je peux te rappeler? Non, 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 non. Continue, prends ton temps. Désolé, mon patron venait d'entrer dans la voiture, mais il est ressorti. Je ne sais pas, moi je n'ai pas d'heure de pause comme toi. Et ton patron? Elle, elle dit quoi?
musicien là, je te dirais. Bye. Ta nouvelle copine? Non. C'est juste une femme que j'ai rencontrée un soir dans un bar. Mais tu es tranchant, dis donc. Pour peu qu'on te laisse quelques centimètres, tu fais des amoureuses à la pelle. Ok, ne lui perds pas le temps. Elle semble très amoureuse. Va à ton rendez-vous. Merci, monsieur. Et tu pourras toujours l'inviter à la maison. Je m'arrangerai pour ne pas être là ce jour-là. Non. Je préfère que ça évolue normalement. Te connaissant, j'imagine que c'est une bombe. En tout cas, si elle est aussi bien roulée qu'un cono. Je confirmerai ton goût pour les belles femmes. On va où? À la maison.